Elle était juste parfaite. C'est juste une immense joie d'être là. Regardez les sourires, tout le monde est heureux. L'eau est bonne, il y a du soleil. Franchement, c'est juste un immense bonheur. Est-ce que vous avez eu le sentiment de participer à un événement historique ? Regardez. Est-ce qu'on a déjà vu ces images à Paris avec des centaines de personnes qui se baignent dans un cadre qui est absolument juste incroyable. Donc ouais, c'est historique, je sais pas, faut toujours faire attention aux mots. En tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui change la donne à Paris, ça c'est sûr. C'est une ouverture extraordinaire pour les Jeux Olympiques. Ce qui est génial, c'est de se dire que voilà, les athlètes vont avoir le plus bel écrin du monde pour pouvoir se baigner. Et puis demain, moi je pense aux gamins qui prendront leur vélo pour venir se baigner dans la Seine en 2025. C'est génial. Et pour toute l'équipe, c'est l'aboutissement d'un travail quand même énorme. C'est une formidable réalisation collective. Ça mobilise tout le monde, toutes les équipes, au STEA, à Haute-Paris, l'ensemble de la direction, les partenaires de l'État et tout. Donc c'est une formidable réussite collective.